Hey, rebonjour mes amis, eh oui, encore désolé, il y a eu un problème avec la première vidéo, donc du coup je suis obligé de revenir, donc rebelote pour la fête foraine de Tournefeuille pour cette édition 2024. Donc espérons que la vidéo cette fois-ci elle va marcher. Donc voilà, allez, c'est reparti pour un tour les amis, à tout à l'heure. Bah allez, c'est parti. Rebelote. Donc pour la seconde fois, on va refaire donc du coup la vidéo de la fête foraine de Tournefeuille pour cette édition 2024. Voilà, hop, les autotampons de Bruno. C'est reparti. Donc bon voilà, depuis samedi il y a eu le couple ficelle qui est parti, qui est parti pour Bayonne. Donc ça c'est le train fantôme à pied. Ils ont commencé à démonter hein, malheureusement, vu que la vidéo que j'ai faite samedi et tout était monté. Et malheureusement, vu qu'il y a eu un problème dans la vidéo, je suis obligé de refaire. Hein. Ah, l'ami, la belle voiture. La petite pêche au canard, mes amis. Ça donne envie de manger un magret, ça fait. Hop, le mégaloupe qui part à Bayonne, donc qui commence mercredi mes amis, mercredi jusqu'à dimanche, donc du 10 au 15 juillet. Voilà, j'y serai, je serai présent à Bayonne et dans le week-end je fais Colomiers. Voilà le programme. Il y a un petit peu plus de monde que samedi, vu que samedi c'était un temps pluvieux. Il faisait vraiment pas beau du tout. D'ailleurs, j'ai voulu publier la vidéo que j'avais faite sur ma chaîne Facebook dédiée aux fêtes foraines de France. J'ai pas réussi à la publier. J'essayerai de la publier si j'y arrive sur Facebook, pour que vous puissiez voir à quoi ressemblait la première vidéo que j'avais faite avant de faire celle-ci. Et là vous verrez du coup les manèges montés entièrement. Enfin du moins, certains n'étaient pas entièrement montés, comme le Crazy Dance qui ne monte plus le mur malheureusement. C'est bien dommage. C'est ça. et après il y en a d'autres qui ne montent pas le mur malheureusement, comme le Megaloop qui ne l'a pas monté non plus. C'est dommage parce que c'est un très beau métier et avec le mur ça le fait vraiment fini quoi, il est vraiment joli. Petits autotampons. Donc voilà, je tiens à préciser que j'ai racheté un S24 Ultra pour ma femme. Donc du coup, vu que le mien est toujours en réparation, je me sers de son téléphone. Heureusement d'ailleurs, parce que vu que j'ai eu un souci samedi avec le téléphone de mon ami, donc j'ai filmé la fête et YouTube m'a refusé la vidéo, je comprends pas, je sais pas pourquoi. C'est vraiment un problème de codec ou je sais pas. C'est vraiment le...
dire mal le format de la vidéo qui n'est pas pris en charge. C'est pas pour ça que c'était un format MP4, hein, mais il n'a pas voulu non plus me la prendre, hein, je sais pas. Si vraiment j'arrive à la publier en faisant une modification de vidéo audio, que j'arrive à la publier, ça en fera deux. Mais bon, ça m'étonnerait. Je reste sur mon point négatif, mais bon, c'est pas grave. Je la refais là. Voilà, voilà, là c'est en plein jour, il fait beau et tout, c'est vraiment carré. Un beau ciel bleu avec ce soir l'orchestre Jean Ribul de présent. Ouais, je viens. Bien. C'est jeune. Passe sous la brume, ça, ça fait du bien, ça. Ça. Voilà, le thriller qu'on revoit à Bayonne pour cette semaine et ce week-end. Voilà, là, bah, c'est pour les pichous. Oh purée, il est 19h30 passé, tout n'est pas ouvert encore. J'y suis depuis 15h. Depuis 15h, j'ai attendu que tout ouvre. Le temps est long, hein. Quand on attend que ça ouvre, je peux vous dire que on se fait un peu chier. Voilà, c'est pareil, là, voilà, c'est un stand pour manger. Ils ont viré toutes les tables à gauche, il n'y a plus rien. Donc du coup, ben, t'achètes, tu manges par terre en fait. Là, je rigole. Hop, il y a la position derrière qui, à mon avis, est éteint encore, il n'est pas allumé. C'est pas grave, on va attendre qu'il ouvre. Voilà, et là, donc, du coup, voilà, on a l'orchestre Jean Ribul pour ce soir. Et le feu d'artifice aussi à 23h. Donc j'essaierai de faire une petite vidéo que j'ai incarcérée, je mettrai dans la vidéo en même temps. Ça ferait un petit plus. Ben voilà, ben là on arrive à l'endroit où il y a toutes les attractions. Mais tout est fermé encore. À quasiment presque 20h du soir, il n'y a encore rien d'ouvert. Ils perdent énormément d'argent, hein, à mon avis. C'est dingue. Je sais pas pourquoi. Ils sont restés fermés toute l'après-midi. Ils n'ont pas du tout ouvert. Moi qui pensais qu'ils allaient ouvrir vers les coups de 15-16h, eh ben non. On est arrivé, c'était fermé, tout était fermé. Hop, voilà. L'inversion.
Donc la pulsion qui est allumée, donc il va pas tarder à ouvrir aussi. On a le Black Dream à droite qui est actuellement aussi allumé au niveau de la caisse. On a un toboggan, le crazy glisse. Et là, il y en a le crazy dance. Propriétaire, juge. Donc là à droite on a la pieuvre qui a commencé à démonter malheureusement. C'est dommage, il n'y a plus les tentacules, elles ont disparu. Ça fait un peu bizarre. Hein, à moitié démonté comme ça, c'est dommage. Ça leur fait gagner du temps mais c'est dommage parce que ça gâche un peu le manège. Et donc là on a du coup les deux derniers qui est le Stage Master qui était à Castelnau des Trottefonds aussi dans la vidéo que j'avais faite hein, il y a un mois en arrière. Et donc voilà le dernier qui est le IG Energy. Donc lui il s'en va à plus de 300 km d'ici. Je me souviens plus, il m'a dit le nom, je me souviens plus. À Blaye, voilà, il s'en va à Blaye. Donc voilà, si vous voulez le voir ce week-end, il part à Blaye. Voilà. Donc voilà mes amis. Le petit tour est fait. Donc la deuxième partie se fera tout à l'heure au moment où les attractions tourneront. Voilà, restez branchés mes amis, la vidéo continue tout à l'heure. Voilà. Le bras qui a commencé à ouvrir, il commence à faire ses petits tours d'essai. Donc voilà. Allez, je vous dis à tout à l'heure mes amis. Donc voilà, attendant qu'ils ouvrent, on va refaire un petit tour sans inverse. On va patienter avec un petit tour de la pomme. Un petit tour de pomme pour se détendre. Elle est pas nerveuse celle-là. Le stand de tir. On va pas parler tout à l'heure. Stand de tir. Thank you.
Il y a un peu de monde à Paris. Il y a un peu de monde qui arrive là. Vu qu'il y a le feu ce soir, ça va être blindé. Ah, le brumisateur. Ça fait vraiment du bien l'été là, quand t'es dessous, qu'il a fait vraiment chaud aujourd'hui. En plus, il a fait plus de 34 en plein soleil. Je vous assure qu'il a fait bien chaud. Il vaut mieux ça que la pluie après. Maxi Pence. Là, il y a le Pikachu qui est mignon. Hop là. Profil. Tire à plan. Pour faire durer un petit peu la vidéo. Manège enfantin. On a un casino encore là. J'ai repris quelques clichés de plus de la fête foraine de Tournefeuille que je publierai sur mon YouTube, que vous pourriez voir en meilleure qualité. C'est les qualités de celui-ci qui est en 200 millions de pixels et de l'autre d'une note 10 plus qui est en 108. La différence, vous allez vite la voir. Ouais. Hein? La forêt est content. Oh, swing. Un petit magic dance pour les enfants. C'est ce canard. C'est pas la vision, c'est ça? Oui, pour YouTube. Bonsoir. C'est Madame Simon. Voilà. Avec plaisir. Voilà. Ça fait un magret ce soir. La deuxième ou troisième, hein? Pour une chaîne, c'est... Ouais. Même dans les roues, tout ça. Ouais, partout. Ah,
le mégaloop le plus joli de la forforaine, je trouve. Il est magnifique la nuit. On aura l'occasion de le faire tout à l'heure, quand la nuit sera tombée un peu. Donc voilà, on a fait le petit retour. Oh. Ça va ou quoi? Donc voilà, le tour est fini. Maintenant, place aux attractions tout à l'heure à la tombée de la nuit, mes amis. Voilà, voilà, mes amis. Je vous dis à tout à l'heure. Restez branchés, mes amis. Me revoilà, mes amis. C'est parti pour le Hic Energy. Voilà pour la pieuvre, au suivant mes amis. Toujours ? Vas-y Ben. Ça va toujours ? On continue ? Est-ce qu'on accélère ? Je vous envoie, est-ce qu'on accélère ? Vous êtes venus retourner comme ça, on accélère, ok ? Allez, on continue mes loulous. On continue avec le Black Game. Est-ce que ça va ?
Observation, les amis. On va le revoir à partir. Hein. On y va, ça commence tout en douceur, allez. Tout en douceur, tout en douceur, allez, on y va. Ok, allez, tchao, Dis-moi les amis, vous êtes prêts? Allez, accrochez-vous, on y va. Une première accélération, on y va. Désolé mes amis, j'en ai oublié une. Ça c'est pas bien ça. Ah là là, ça c'est pas bien. Allez, je vais le faire. Tenez-vous bien, ciao, bye bye. À tout à l'heure. Mais maintenant c'est parti. Loupe, j'avais loupé, désolé. Les premières accélérations, les premières vitesses, les voici, les voilà, ça commence, allez, tenez-vous bien. We'll be right back.
voilà mes poulets. Bon, mais maintenant on va aller voir un petit morceau du feu d'artifice pour clôturer cette vidéo. À tout à l'heure. Voilà, petit feu d'artifice. Ici, en espérant que cette vidéo vous aura bien plu à tous. Ça a été une très très belle édition cette année. Très très belle fête foraine. Clôturons cette fête foraine avec ce feu d'artifice. Je vous embrasse mes amis. Un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je suis également trouvable avec YouTube et Facebook, Fête foraine de France mes amis. Je vous laisse admirer tout l'artifice et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.